Bon mardi matin, j'espère que votre petit jus d'orange est prêt, peut-être votre café, votre thé, pour qu'on puisse bien débuter notre journée. Et aujourd'hui, pour savourer la parole de Dieu, elle a le don vraiment de nous faire apprécier cette parole de Dieu, parce que je connais bien Cathy, et pour elle, la parole de Dieu, c'est pas une blague, c'est vraiment une lettre d'amour que Dieu nous écrit lui-même. On la rejoint immédiatement, Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous! Aujourd'hui, on commence une nouvelle petite série qui s'appelle « Moi et ma grande bouche ». Est-ce que ça vous arrive de dire des bêtises ou des paroles que vous avez regrettées par la suite? Vous connaissez l'expression qui dit « J'ai ouvert ma bouche puis j'ai mis mon pied dedans », mais dans mon cas, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir ma bouche un petit peu plus grand puis mettre mon autre pied dedans. Ah oui! Donc, j'aime bien le verset Colossiens 4:6 qui nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 1 Thessaloniciens 4:11 nous enseigne à mettre un point d'honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. Et qu'on a donc de la misère à faire ça! Philippiens 4:8, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi c'est si important d'avoir des bonnes choses dans nos pensées? Parce que souvent, nos pensées se transforment en paroles et plus tard en actions. Donc, il faut vraiment faire attention à nos pensées. Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En anglais, on dit « garbage in, garbage out ». Donc, si on a des ordures ici, bien, c'est des ordures qui vont sortir de notre bouche aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a tellement de puissance dans nos paroles, et ça, je vais en parler dans d'autres chroniques. Saviez-vous que lorsque Moïse a enfin réussi, par l'intervention de Dieu, à sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il avait comme mandat de les diriger vers la terre promise? On a tous vu le film « Les 10 commandements », puis c'est vraiment « wow ». Et puis, le voyage au travers du désert devait prendre juste 40 jours. Mais savez-vous quoi? Ça l'a pris 40 ans. 40 ans! Pourquoi? Parce qu'ils ont chialé. Eh oui, c'est juste pour ça. Les gens n'arrêtaient pas de critiquer, puis de murmurer, puis de chialer sur tout et sur rien. Résultat, bien, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, au lieu que ça prenne juste 40 jours. Imaginez, 40 ans versus 40 jours. Dites-moi, avez-vous l'impression de tourner en rond des fois? Vous devriez vous écouter parler. Oui, est-ce que c'est édifiant, est-ce que c'est positif ou c'est négatif, puis c'est décourageant, puis que vous avez tendance à chialer? Alors, la semaine prochaine, je vais vous partager un puissant témoignage de quelqu'un qui a pris le temps de s'écouter parler pour réaliser qu'il n'arrêtait pas de chialer, mais qui a aussi réussi un énorme défi dans sa vie, celui d'arrêter de chialer. Tout un exploit, hein? Je vous ferai part de son exploit mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite bonne semaine et prenez le temps de vous écouter. Vous serez peut-être surpris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, pardon, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook.
Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire, Seigneur, je te fais un don et je ne veux rien attendre en retour. Je le fais simplement, simplement parce que je t'aime. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre passionné de l'Évangile, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. On est déjà dans le mois de mars. Mon Dieu, que ça va vite, ça n'a pas de bon sens. Notre Évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Écoutez bien ça ici. Ah, ça là, cet Évangile-là, là, elle nous regarde, OK? Elle nous regarde. Puis je dis bien « nous ». Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Je t'annonce, Seigneur. Combien de fois il faut lui pardonner à celui-là? Là? Il recommence tout le temps. » T'as déjà entendu ça, ce phrase-là, hein? Moi aussi. Puis Jésus, il répond « non, excuse-moi. » Jésus, lui, il dit combien de fois il va lui pardonner, puis à ça, il dit, bon, c'est, je rentre presque à 7 fois, là. Puis le Seigneur, il répond, hey, je ne dis pas 7 fois, mais je te dis jusqu'à 77 fois, 7 fois. 7, là, c'est le chiffre incontournable, c'est le chiffre le parfait, tu sais, là, infini, si tu veux. Le Seigneur, il dit 70... Oui, mais ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens, Seigneur, que je lui pardonne 77 fois, cette fois, là. Ça n'a pas d'allure. Ah, regarde, il va tout recommencer. Là, je ne l'aide pas. Ah, je vais passer pour un bon as. Hein, Seigneur, là. Il y a pas de limite. Je ne sais pas si... Tu ne peux pas croire que juste cette phrase-là, comment elle vient me rémoncer, comment elle vient me donner une énergie incroyable. Parce que, écoute, mon bain, là, je suis rendu voir 70 ans. Ben, il l'a eu, 70 ans. Le 28 février, il a eu 70 ans. 70, hey, tu sais, je vois, il me semble qu'il a fait. Puis, dans mes 70 ans, là, laisse-moi te dire là, que j'en ai fait des stupidités, puis des folies, puis des. Tu sais? Mais à un moment donné, quand j'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour moi, quand j'ai pris conscience que Dieu voyait plus loin que mon péché, que Dieu... Ah, il voyait mon mal, le mal que je faisais, mais il voyait mes blessures, il voyait mes souffrances, tu sais. Puis j'ai senti cette force-là. Puis quand il est mort sur la croix, il dit, pardonneur, Père, ils ne réalisent pas ce qu'ils font, là, OK? Donc, ça veut dire que je fais des affaires, puis je suis pas un méchant. Puis toi non plus, t'en es pas un, tu sais. Puis celui qui t'a fait mal, puis celui qui t'a envoyé promener, puis celui qui t'a tapé à gueule, tu sais, là. Tu sais, le geste qu'il a posé, il est mauvais. Puis ça, on pourra jamais nier ça. Mais si tu dépasses le geste, si tu vas regarder ce qui se passe en dedans, là, tu t'aperçois qu'il y a eu une souffrance incroyable. Que le gars, lui, il était blessé. Tu sais, moi, des folies, j'en ai faites, mais quand tu le regardes, ben, moi aussi, tu sais, mon grand-père est un alcoolique, puis il battait ma grand-mère, puis il battait mon père, tu sais. Puis mon père, ben, il était un alcoolique, puis il battait ma mère, puis il battait nous autres aussi, tu sais. Puis sais-tu quoi? Moi, je t'ai rendu à un moment donné, j'étais à la même affaire.
tu sais, là. J'étais agressif, puis je battais le monde, puis mes bandes tiraillaient, puis ce que tu veux, tu sais. Mais ça allait arrêter à un moment donné, puis j'ai dit, « Hey, je suis pas un méchant, mais j'ai souffert, j'ai eu des souffrances. » Puis fais attention, là, je dis pas quand même, c'est correct, mes souffrances, j'avais pas d'affaire à faire le mal pareil, là. OK? Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, « Non, Seigneur, faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Comprends-tu? » Puis il est là, dans la fin, si tu continues l'histoire, hein, tu t'aperçois que le Seigneur, il donne une histoire, puis il dit, il y avait un gars qui devait de l'argent à son maître, etc., tu sais. Puis son maître, il dit, tu me dois ça, tu sais. Et puis le maître, il a dit, hein, le maître, il a dit, écoute, là, je vais prendre pitié de toi, puis je te remets ton argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, d'un moment, il disait au gars, regarde, je t'ai fait du mal, mais je comprends ce qui s'est passé, puis je te pardonne. Puis tout de suite après, le gars à qui il a pardonné, il sort, comprends-tu? Puis là, il y a un autre gars qui est doué à lui. Puis lui, il dit, hey, t'as me dû de l'argent, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis le gars, il dit, mais je peux pas te payer. Puis lui, il n'a pas eu la même réaction que le maître, que son maître à lui. Puis lui, il dit, non, tu t'en vas en prison, tu vas me payer ça, puis je vais t'enlever ici, puis tu t'en fais. Fait qu'il n'a pas été réconciliant, il n'a pas eu pitié, lui. Puis parce qu'il n'a pas eu pitié, le maître, le premier maître, il l'a fait revenir, puis il a dit, moi, je t'avais pardonné. Comment se fait-il que t'as pas pardonné, toi? Bien, parce que t'as pas pardonné, là. Tu vas aller en prison parce que tu me dois ça puis tu vas me le remettre. Pardonne-leur car, comme toi, tu veux qu'ils te pardonnent. Mais moi, là, si je regarde ça, moi, je suis le deuxième, OK? Moi, là, Dieu m'a pardonné, OK? Puis moi, il y en a d'autres qui m'ont fait mal, mais j'avais pas à fesser dessus puis à me battre avec eux autres. J'avais, moi, à pardonner comme lui m'a pardonné, à regarder comme lui a regardé. Puis il m'a regardé comme ça, puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Parce que j'ai arrêté. Il y a une expression anglaise qui dit « The buck stops here ». Ça s'arrête avec moi. Moi, je ne suis pas pour continuer la tradition du mauvais. Et c'est ça que le Seigneur te demande à toi aujourd'hui. Même si tu as eu mal, amène pas ça à d'autres. Puis je demande au Seigneur de t'aider à prendre conscience au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possèdent les plus beaux paysages sauvages, terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charron, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Aujourd'hui, on prend le temps peut-être de dire à des personnes à qui on ne dit pas souvent à quel point on les apprécie. Vous savez, c'est tellement important. Des fois, on prend ça pour acquis. Mais juste des beaux petits mots de tendresse, ça peut tellement faire de bien. À demain. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.